Bonjour à tous, vous êtes sur Como Promo. Si vous aimez plus de vidéos, cliquez le bouton en bas. Abonnez-vous à Mas. Moi, Bérodès, je me suis déjà abonné. Il reste que... Nabani, qu'on peut faire affirmation. La Bible dit, si tu ne fais pas le mal n'aura pas de prise sur toi. Congo, c'est ma bébé. Au moment où on a une illustration. Congo, les autres autres m'ont conseillé Nzambe à prétendre que un apostat Nzambe sungaye. Est-ce que Congo, si on te met en procès devant l'Éternel, sortira-t-il sans? Y a où toi analyser? On est à Kinshasa, Kindoki nyonso, occultisme nyonso, désanctification nyonso, impureté nyonso, adultère nyonso. Et pour nous, ici, on s'en confond d'até. Et pour nous, logement kaka, il y a un responsable de l'église de refaire au Congo. Parce que vous avez dit 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 que vous avez sans pour autant à chrétien. Vous avez dit que vous avez dit parenthèse, vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit jeune frère, la bise du Rukalé, dans la vidéo, en tout cas, la petite frère Roger Bac a raison pour la bouille. Ça, quelque part, tu t'étais dit quoi? Est-ce qu'on a une vidéo? Dans mon azur, on a appelé la zone Selinzam. Na lobino que basali nzambe o baso dirige biso na l'église de réveil na Kinshasa. Ce sont des personnes qui sont sous l'emprise des mondes des ténèbres. Le Congo promo défaté bolanda ka Congo promo po ezo ezo lo vérité. Le balobi avec Congo promo it's not the same. C'est pas pareil. Raf Gendo. Check. Et enfin, je suis arrivé. Salon Igui la coiffe Ikoté. Non seulement c'est un salon de coiffure, mais aussi une machine de transformation des hommes et femmes. Regardez-moi comment je suis. Vilain. Mais attendez, deux minutes. Boga. Vous allez voir. Il n'y a plus. Hugues la coiffe Ikoté, votre salon de coiffure mixte afro-européen situé sur la Nationale 3 au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter au 01 41 55 00 00 ou encore sur notre site huguelacoiffeicoté.com. Nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 20h, même les jours fériés. Hugues la coiffe Ikoté, l'homme qui coiffe la ville. Hugues la coiffe Ikoté, le salon de coiffure mixte afro-européenne de proximité. Au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois sur la Nationale 3. Un seul numéro, 01 41 55 0000. La beauté de votre chevelure chez votre frère Hugues la coiffe Ikoté, même père, même mère. Chiquicha, chiquicha, cha cha. La beauté peut tout changer. Salon Hugues la coiffe Ikoté. Quelle beauté! Sexy pour les femmes, nindindi pour les hommes. Descartes, construction et yay! Fini l'inquiétude pour la réalisation de vos constructions de rêves en RDC. Au prix imbattable, grâce à votre entreprise installée en RDC uniquement pour vous, spécialisée en construction, réfection, bâtiment, immeuble, vente de terrain, travaux publics, avec les ingénieurs architectes qualifié au prix incroyable. L'escarte construction est aussi spécialisée en luminosité des bâtiments et éclairage public. Installation des systèmes d'alerte, intrusion pour des maisons et véhicules et tout d'autres services. Nous acceptons aussi les paiements par tranche. Au prix incroyable, pas d'hésitation avec Descartes Construction. Vous ne serez jamais déçu. Pour tout contact, notre email est descartesconstruction@gmail.com. Notre numéro de contact, plus 447-93-92-82-813 et appelez-nous pour Kinshasa, plus 243-89-92.
91 56 86 2. Descartes Construction, à Tozana Mbongomoke, opération Tongana RDC. L'agence d'export et d'import, Michel Atlantic Shipping, et yeah. Banaya Canada, Banaya USA, Bomitungi Sali Susuté. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles, na koti na ba koli na bino na Kinshasa, Bomitungi sa penzate. Plus, bakoya koza koli tinanda. Pour tout contact, Benga Michel Lukadi. Plus 1-508-371-6043-USA na Canada. Pour na Kinshasa, Benga na plus 243-89-551-3038. Meshulu Atlantic Shipping. Yaboye, Baziwapi. Raph Lindou, félicitations pour la promotion salaire pour la artiste. Que Dieu te bénisse. A connaît pas demandé, il n'y a rien en face. Congo promo Ravingindunde. Merci Nada Bena Fier na Congo promo. Et ça sito bena no number one. Le sito bena intellectuel. Boss Ravingindu a tout cas na passive ma bambou. Ravingindu le présentateur la force qui a tué Congo promo. Congo Boroto ça n'a pas militaire na Congo promo. Et faites comme moi, allez voir Congo promo tv5.com. Donc au nom de Jésus Christ nous bénissons le Congo promo. Avec Raph Nguindou, Congo Promo ne tombera jamais. Bigolo Congo Promo Nde. Ouais, Balobi Raph Nguindou. Congo Promo toujours. Grande puissance. Come on. Congo Promo qui t'encosse net dans le film. Congo Promo, babunda na nango. Babu. Raph Nguindou. Congo Promo. What a plus, what a navy boss là. Mesdames, Messieurs, je suis encore une fois très heureux de vous savoir nombreux de vos postes récepteurs pour cette grande émission Quoi de Neuf, émission au cours de laquelle votre humble serviteur que je suis, je reçois des invités avec qui nous traitons des sujets d'actualité. Mais dans le cas d'espèce, nous émettons, comme je vous l'ai dit régulièrement, depuis Kinshasa, capitale des républiques démocratiques du Congo. Ici, nous sommes dans la commune des Barumbu. Là, nous sommes venus encore une fois pour parler, pour cogiter, si on peut le dire ainsi, avec un homme de Dieu. Pour la énième fois dans cette émission, nous le recevons encore une fois, mesdames et messieurs, parce qu'il y a vraiment de la matière, il y a à boire et à manger, si on peut le dire ainsi. Nous avons eu à entendre, en tout cas, à recevoir des appels plutôt, des messages de partout dans le monde, raison pour laquelle nous sommes encore une fois revenus ici en ce lieu pour le recevoir. Question de vous d'éclairer certaines zones d'ombre avec lui, parce que la fois passée, je vous l'ai dit, s'il y a des personnes, même loin d'ici, parce que ici nous sommes sur place au pays, même les gens qui sont du côté de la diaspora qui veulent apporter une lumière par rapport à là où peut-être ça, nous n'avons pas eu à éclairer suffisamment, envoyez-nous des gens qui sont ici sur place pour venir contredire ou apporter des éclaircissements. C'est-à-dire ici nous sommes sur une libre tribune, là où nous tendons le micro. Les gens, n'est-ce pas, manifestent leur opinion, mais si vous avez une opinion contraire, notre numéro est affiché, écrivez-nous, appelez-nous. Venez avec des arguments. Si vous voulez même un débat, en tout cas, notre invité est totalement disponible, n'est-ce pas, pour vous recevoir. Mesdames, Messieurs, moi je ne voudrais pas faire beaucoup trop de verbiage, parce qu'il est juste à côté de moi. Avec lui, il y a vraiment de la matière. L'évangéliste est Roger Baka. Pour la NFO dans cette émission, moi je suis encore une fois très heureux. D'abord, Mbotenayo, comment allez-vous d'abord physiquement, vous personnellement, et puis comment se porte l'évangile, parce qu'on commence toujours par là. Béni soit le nom de l'Éternel, nous vous disons shalom à vous qui nous suivez à partir de l'extérieur, très cher internaute. C'est le moindre de tous, hein, le plus petit de tous les serviteurs de Dieu, l'évangéliste Roger Baka, commis surtout pour la restauration de valeurs spirituelles enversées. L'Évangile, nous croyons et nous confessons que l'Éternel est en train de visiter le monde, et particulièrement, il visite la République démocratique du Congo, parce que la Bible dit dans Jean chapitre 17, « Sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. » Et puisque l'Évangile vous est déjà annoncé, donc vous êtes sanctifiés. Moi, je crois que Dieu est en train de visiter la République démocratique du Congo. Dieu est en train de visiter tous les Congolais qui ont choisi les autres nations comme étant leur seconde patrie. Dieu est en train de visiter la République démocratique du Congo, nous qui sommes ici. Et donc aujourd'hui, encore une fois de plus, nous voulons, bien aimés dans les seigneurs, que vous soyez attentifs, parce que nous allons aborder une matière très sensible qui va nous permettre de nous préparer
à la grande journée de la réconciliation avec l'Éternel, afin que nous puissions être disponibles pour la bénédiction divine sur ce qui concerne l'avenir de la République démocratique du Congo. Tu sais, mon frère, pour tout esprit averti et pour toute âme qui n'est pas naïve, l'avenir de la République du Congo présente beaucoup d'incertitudes. Voilà pourquoi aujourd'hui nous voulions que tous ceux qui sont à l'extérieur, je dis bien particulièrement les Congolais. Papa! Nina! Nina, la salue, agent JB Service. Colline a vu comment il va la mission. Il y a combien de agences? 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 Il y a Super service, Yango, José Baïda. Il y a des gens qui ont été battus, ils ont été battus. Ceux qui ont été battus, ils ont été battus. Ils ont été battus. Ils Habitants à l'étranger, et je vise aussi ceux qui sont en France et aussi ceux qui sont à Kinshasa, parce que ce programme est justement destiné pour vous faire connaître que nous nous préparons. La couverture, elle est universelle. Tout à fait. Et donc nous nous préparons à pouvoir présenter le Congo devant l'Éternel. Alors voilà pourquoi cette émission va vous permettre de comprendre quel est ce débat qui passera autour de la présentation de la République démocratique du Congo devant la sainteté de l'Éternel. Comment cela pourra-t-il se faire? Nous entendons certains de l'extérieur dire « Dans l'avenir, le Congo va imploser. Il y aura balkanisation. » Certains même qui sont ici disent « Il y aura implosion de l'intérieur. » Mais nous, nous sommes en train de rire parce que nous comprenons que ces hommes-là, à intelligence limitée, ils ne voient que la réalité. Mais nous, nous sommes en train de participer au conseil secret de l'Éternel. Nous voyons que l'Éternel veut enfanter quelque chose. Il veut enfanter un nouveau Congo. Il veut redorer l'image du Congolais dans le monde. Il veut redonner le destin prophétique de la République démocratique du Congo par rapport à la région, par rapport à l'Afrique et par rapport au monde. Et le simple fait même que vous voyez que j'annonce l'évangile de la restauration de valeurs spirituelles et que le monde entier suit, ce n'est que l'accomplissement du plan prophétique de Dieu. Alors, c'est pourquoi j'ai dit qu'il y a encore 7000 qui n'ont pas fléchi devant Baal. Alors aujourd'hui, nous allons nous permettre d'analyser les points sensibles qui font que la nation ne peut pas être visitée si nous ne faisons pas le préalable. Évangéliste Roger Baka, merci d'abord pour le préambule. Mesdames, messieurs, à vous, tout ce que nous suivez à travers le monde, c'est-à-dire l'émission d'aujourd'hui, elle est particulière par rapport à Autosali, toute une série d'émissions, c'est-à-dire, ils ont Évangéliste Roger Baka, Azo préparé, Neratour le Bourana, un préambule, c'est-à-dire, prière moko sérieuse, c'est-à-dire, Tozo livré, Moko Nabiso, la Maboko Nzam. La raison pour laquelle, c'est-à-dire, il y a trop abordé. Comme thème principal, l'élo, et ça la sanctification et le serviteur de Dieu. Il y a un autre thème principal, mais il y aura quelques points où il y aura une pièce d'éclaircissement. Notamment, on va commencer par la. Comme premier point, il y aura la pureté. Comme second point, il va parler par rapport à comment la prostitution sacrée. Comme troisième point, la sanction et ainsi que ses conséquences. Mais comme dernier point, c'est quoi? Parce qu'au-delà de tout, il faut qu'il y ait une solution biblique. C'est-à-dire. Tout ça juste en 25 minutes, il faut juste Roger Baka à quoi ça va élément, on a pissé à mitouna, on a posé déjà ba jalon, il y a qu'on marchait dessus pour éclaircir le binôme. Il faut juste Roger Baka, tout bandit d'abord le thème principal, mais qu'à quoi éclairer le peuple de Dieu pour traverser à travers le monde. Vous savez, je voudrais bateau bazo l'ambition nandakum, ba comprendre que lorsque l'Éternel désire donner un avenir glorieux à une famille. Quand l'Éternel désire donner un avenir glorieux à une nation, quand l'Éternel désire donner un avenir glorieux à toi, Joé, à moi, à ma famille et à quiconque nous suit, il ne faut jamais oublier
que avant que cet avenir glorieux ne vienne, il y a des préalables. Et parmi les préalables, nalingi awa batu bazana ndaku. Et quand la madame okota déjà dans le livre de Zacharie chapitre 3, le verset 1-10. Je veux que batuba comprendre qu'il y a des mots clés dans la Bible, tels que le mot sanctification. Lorsque nous rentrons dans le mot sanctification, nous avons signalé déjà préalable à l'Iboso. Dieu ne peut pas travailler avec toi. Dieu ne peut pas travailler avec ta famille. Dieu ne peut pas travailler avec ta nation si au préalable il n'a pas travaillé en toi. Donc ce qui est quatre na yo, nzambe na petolité, pa petola libanda na yo, akwa bimiso na miso abatuté. Il ne peut pas susciter quelqu'un pour présider à la destinée d'une famille, pour présider à la destinée d'une nation, sans que cette personne au préalable soit sanctifiée par Dieu. Alors le verbe sanctifier, à ce moment-là, est une signification mon corps. Toujours en étymologie, non? Rendre saint. Sanctifier veut dire purifier. Cela signifie aussi mettre à part pour l'usage que Dieu a réservé depuis longtemps. Mais dans l'ancien temps, sanctification, c'est là qui est par les ritualismes. Et ça qui est par les ablutions, par des purifications de mains. Mais maintenant, pour les chrétiens de l'autre côté de la croix, pour nous qui sommes arrivés à la fin de ces siècles, c'est ce qui intéresse les gens. Il y a trois dimensions de l'homme. La Bible dit, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23 au verset 24, je vais lire au nom de Jésus. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. L'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. 24. Celui qui vous a appelé est fidèle. C'est lui qui le fera. Osemona ke awa, basé bisabiso par apôtre Paul, que ils ont trois dimensions ya mutu. Batu bazo lela na Congo. Congolais ont souffrir en étranger. Ba famille ont souffrir. Mais baza koye baté que zambe atala kananu na famille à salaka na mutu te à salaka na nation te. Ce qui a moni na nous, le prêtre, oh, y a qu'on utilise dans la famille wanate. Et donc, le problème de la République démocratique du Congo n'est pas un problème purement politique ou économique. Le problème du Congo. On va sous-entendre mon rôle spirituel. Y a un autre qu'on va affirmer. Ah, le problème du Congo est un problème purement spirituel. Voilà pourquoi. Nanina soit illustration moko awa oyo kobete na biso li solo yali kambo tengito loba. Bien aimé, lorsque vous prenez la Bible dans le livre de Zacharie chapitre 4, qu'est-ce que je raconte? Zacharie chapitre 3, le verset 1, token na biso musikate. Nous allons nous arrêter vers le verset 7. Je voudrais quand même lire pour les besoins de la cause, parce que tout ça préparé congolais. Te présenter comme on a maboko nzambe. Laisse-moi te dire, avant de présenter le Congo devant la face de l'Éternel, il y a des choses que nous devons savoir. Même yopé congolo zolandanga, même toi, tu peux appartenir à une autre nation, mais tu es en attente d'un avenir glorieux. Il y a des préalables. Lisons. Zacharie chapitre 3, le verset 15. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur,
debout devant l'ange de l'Éternel. Et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Dieu veut visiter Jérusalem. Dieu veut faire de Jérusalem le territoire de paix. Afin que l'évangile kende Jérusalem ebika. Pendant que yozo senga nzamba biki sa famille na bino. Zamba zomo na famité. Azomo na deux ou trois oya sisita na kata qui doivent se présenter devant lui pour bénir la famille. Pendant que tu zomba tali solo ko ngwebonga. Zamba zomo na kongote, amo na gauche, amo na droite, amo na basali na nzambe o bazo présider à la destinée de l'église entre guillemets dite des réveils. Alors, on appela Josué le sacrificateur. Balabi yaka, mais Josué côté le mazo telema. Yoka illustration mokezana. Balabi Satan se tenait à sa droite. Mais quel était le rôle de Satan devant la présence de Dieu? Vous le savez bien. Le livre de Job commence toujours par une histoire pareille. Mais accusateur, Azarana. Ça veut dire quoi? Lorsque l'Éternel désire Batouba Leli, Batouba Gangi, Batouba Beleli, en attente du secours de l'Éternel, l'Éternel se dispose pour répondre. C'est le même cas avec Exode chapitre 3, Exode chapitre 4. Il fallait qu'il y ait quelqu'un. Mais pour le cas d'Israël, Nenga Kangamara en Égypte, l'Éternel Dieu. On présenta devant lui Moïse, celui dont le nom signifie tirer des eaux. N'habitez ce qu'on comprendre que il y a des personnes mises à part pour servir à la destinée d'une nation, pour présider à l'avenir glorieux. Congo Zolé Lalelao. Papa, ce qui est au côté évangile, pour montrer aux gens comment revenir à Dieu. On sera comme une. Un arbre qui produit toujours des fruits verts. Et si on n'annonce pas cette vérité, les Congolais de l'étranger de Kinshasa vont marcher à contre-courant. Par conséquent, ils vont rater un autre rendez-vous qui se présente. Tous on en a pu, tous on en a un point à. On a dit qu'on énumérait tout de suite là. Tout bandit dans le premier point, la pureté. La pureté veut dire quoi? La pureté veut dire rendre au saint. Afin de mettre à part pour l'utilisation que Dieu a réservée. C'est-à-dire, Dieu t'a introduit dans les temps afin que tu exécutes un plan. Mais ce plan-là, pour l'exécuter, il faut revêtir le caractère de Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 3, le verset 16. Je paraphrase. Ne savez-vous pas que vos corps sont les temples du Saint-Esprit et que l'Esprit de l'Éternel habite en vous? 17. Si quelqu'un détruit le temple du Saint-Esprit, l'Éternel, notre Dieu, le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Satan de foi n'a pas la capacité de te toucher, Joé. Satan de foi n'a pas la capacité de toucher le Congo. La Bible dit, si tu ne fais pas le mal n'aura pas de prise sur toi. Congo, c'est le mabé belé. Au moment où on a une illustration. Congo, les autres m'ont conseillé à prétendre que un apostat Nzamba Sungaye. Est-ce que Congo, si on te met en procès devant l'Éternel, sortira-t-il sans? Mais on doit analyser. Pureté, Zanine. Soit payé sans Ezali. Je reviens. À part Israël. Nazokota. Zacharie chapitre 3, le verset 2. Après que le diable s'est présenté à la droite pour accuser qui? Pour accuser Josué. Remarque bien. Na katia famille moko. Moi si ton mobali. Oh mosali nanza menzamba pona. Pona nzela na ye a visiter famille wana. Bando kinyoso. Ba investita kaka na vina ye. Bitumba nyoso. Ba dirija kaka na nzela na ye. Yango moni na Kinshasa. Kindo kinyoso. Occultisme nyoso. Desanctification nyoso. Impurité nyoso. Adultère nyoso. E poni bisi yomso kofanda te.
Et pour nous, logement, kaka, il y a un responsable de l'église de réveil au Congo. Parce que vous avez dit 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 que Je ne suis qu'un simple porte-parole. Ne vous fâchez pas contre le porte-parole, fâchez-vous contre celui qui a écrit ces choses. Mais c'est très dur parce que l'évangile qui apporte le salut blesse toujours le cœur et Dieu aime un esprit contrit. Un esprit brisé pour être sale. Ça dit bien, parenthèse au Kobana. Pour que tu as fil d'idée, tu es au moni, jeune frère, la bise du Rukalé dans la vidéo, en tout cas, n'a pas si frère Roger Bak a raison pour la bouille. Ça, quelque part, tu t'étais dit quoi? Est-ce qu'on a une vidéo en moi? Dans mon azur, on a besoin de Selinzam. On a besoin de raison. Donc, c'est-à-dire, tout ce que Dieu dit est vrai. Ce n'est qu'une question de temps. La révélation est progressive, papa. Il y a un moment où il y a un point où il y a un point où il y a un dirigeant qui est à l'église de réveil à Kinshasa. Ce sont des personnes qui sont sous l'emprise des mondes des ténèbres. Généralement, tant on a expliqué, si on pouvait avoir le temps de lui dire la vérité de ce qu'on vit, peut-être ces garçons pouvaient nous aider. Mais il y a un moment où il y a un moment où il y a un moment où il y a Andi maki, ah, je sais pas, il a raison, mais tu es vimité. Yo, parce que mon sou, ce qu'on dit, après, il y a un combat. L'éternel Dieu dit à Satan, que l'éternel Dieu te réprime, Satan. Que l'éternel Dieu te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là? Un tison arraché du feu. Satan en a l'obité, à tel mika à Pemben, lui qui a moi Congo. Chaque fois que vous là, on a dit Congo, on a dit que vous Congolais, oh l'éternel qui nous a abandonnés. L'éternel sait que le diable n'a pas encore parlé au sujet de ce qu'il a fait pour le Congo. Mais avant de dire ça, Satan, tu es en réprimer. Nzamba réprimé yo. Pour la nini, Nzamba poni Jérusalem. Oh, mais bah, tu es là, tu es là, Jérusalem es là, Roger Bakatelemi a zoté à Kaka avec 7000 qui n'ont pas fléchi devant Baal. Mais les solos à Congo et Betamindengeni. Zamba Bimisikaka, sacrificateur. Mais famille, vous avez agité pourquoi? Pourquoi le monde se ligue-t-il contre son oint? Parce qu'ils savent que si ce oint est sanctifié, il est purifié, plus personne ne bloquera la bénédiction de Jérusalem. Yangomani na verset 3. Bien aimé, tout en gango tranquillement. N'attends on a trois versions. Tant en pinza, bah tout voilà, on va comprendre. Zacharie chapitre 3, le verset 3. Or, Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange de l'Éternel. Je reprends. Or, Josué était couvert de vêtements sales. Et se tenait debout devant l'ange. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts des habits de fête. Qu'est-ce que nous entendons par des habits sales? C'est le manque de pureté. C'est le manque de sanctification. C'est-à-dire, c'est la prostitution sacrée. Un. On va tourner au deuxième point. Jérémie dit ceci. On va tourner maman au côté deuxième point. Ok. On entend par vêtements sales l'ensemble des pratiques qui dirigent les uns vers d'autres dieux en abandonnant les voies de l'Éternel établies par la Bible. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu ici? Quand on parle des habits sales, je vais lire. Nous entendons par les habits sales, c'est un adjectif utilisé en hébreu, mais qui évoque une saleté particulièrement repoussante, c'est-à-dire tellement Dieu est saint. Satan qu'on sala que à salissoba makambu moko, même si on te présentait devant Zambé, a repoussé yo, non pas parce qu'elle ignorait, mais à cause de sa sainteté. Ma pasteur va ça combien à Kinshasa? Est-ce que vous avez un poste à Pendra? Batangelo Bakombo.
Mais si on tangi kaka l'ongle de l'Éternel, bako biso pasteur tel. Le dos de l'Éternel, bako biso pasteur tel. Il y a des hommes de Dieu qui ont même incarné la personnalité de l'identité de Dieu. Oyo ki ka kombo bi ba ba kuna yende nzambe. Prospérité. Il est autour de batu. Ah. Bien aimé dans le Seigneur, Congo est dans un état de saleté énorme. J'ai là toi dans Jérémie chapitre 3. Mais franchement, c'est autant en ngo. Mais tout ça na comment on les appelle? Pour faire des nations baza ah on a Congo. Ce rôle na bango pour faire des nations zani. Ah, ndebonanga. O manini kama prophète des nations solo bana. Na répondre hier mais bino botanga ngo. Jérémie chapitre 23, le verset 21 au verset 23. Il y a un homme qui a été dit la prostitution sacrée. Bon, numba na kata musa l'anzambe. Bon, salité na kata musa l'anzambe. Il y a un homme qui a été dit Jérusalem, moi, pas moi, mais ça, pour ne pas sacrificer la Jérusalem. Bah, ça n'a pas la maille à salité. Jérémie 2, le verset 1, tout autant. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Va, crie aux oreilles de Jérusalem. Ainsi parle l'Éternel. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert. Nazuka ni setambaleli no malamu. Bien aimé dans le Seigneur. Peut-être que si Kozali, on a traversé un moment difficile, mais on a sent ensemble à penser un avenir glorieux. As-tu pensé à tes vêtements? Est-ce que vous avez que il y a un accusateur? S'il y a un accusateur, mais c'est parce que dans 1 Jean chapitre 2, le verset 1, la Bible dit, si quelqu'un d'entre vous a péché, qu'il sache que nous avons auprès de l'Éternel un avocat qui intercède en la faveur de saints. À côté de l'accusateur, il y a toujours un avocat. Mais le problème, présente les moyens de défense à l'avocat pour défendre Yo. Celui qui cache ses fautes ne prospère pas. Non seulement tu continues à faire, tu m'as mis 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 à faire, pasteur, m'as mis à faire, Yewana pasteur, pasteur, nous avons abandonné le créateur, tu as mis à faire, tu m'as mis à créature. Mais pour ce moment, on a dit que tous les gens sont bien, mais quand il y a Congo, il y a caca grave. Y a-t-il quelqu'un qui peut s'asseoir pour dire nous devons nous repentir devant l'Éternel? Que c'est moi qui vais attaquer ce point, les conséquences, n'a pas sanction, non? Avant que nous m'amènes la solution. Qu'est-ce que nous sommes en train de dire ici? Les conséquences sont réelles, Yoka. Non, c'est pas un terme, moi, non. Les conséquences sont réelles. Jérémie chapitre 2, le verset 28. Mais Zacharie chapitre 3, le verset 1 à 7. Comment ça n'a-t-il entendu pour notre prophète? Jérémie chapitre 23, le verset 21 au verset 23. Mais lisons Jérémie chapitre 2, le verset 28. Papa, n'a pas eu prêté attention. Où donc sont des dieux que tu t'es fait? Les conséquences. Qu'ils s'élèvent. S'ils peuvent te sauver au temps du malheur. Car tu as autant de dieux que de villes, ô Juda. Pourquoi contesteriez-vous avec moi? Vous m'avez tous été infidèles, dit l'Éternel. En vain ai-je frappé vos enfants? Ils n'ont pris égard à la correction. Votre glaive a dévoré vos prophètes. Hommes de cette génération, considérez la parole de l'Éternel. Ai-je été pour Israël un désert ou un pays de paix et ténèbres? Pourquoi mon peuple, dit-il, nous sommes libres. Nous ne voulons pas retourner à toi. La jeune fille oublie-t-elle ses ornements? La fiancée oublie-t-elle sa ceinture? Et mon peuple m'a oublié depuis des jours sans nombre. Donc, Congo banda bêtise. Depuis des jours sans nombre. Voilà le jour où il commence à pleurer. Pourquoi?
Parce que soi-disant, un petit pays, soi-disant, un petit peuple, Ouganda, Rwanda, Burundi, on dit qu'un petit peuple est en train de mater ce peuple. Qu'il y a des guerres à l'Est. Qu'il y a des gens qui meurent. Au moins, ils sont contre toi. Ils ont fait un pays comme ça. Punition. Ils ont un arbre, ils ont caché la forêt. Punition, peu importe les forêts qu'ils cachent. À tout moment que Israël abandonne l'Éternel, même les petits peuples comme les Philistins, Bazawaya bitumba ba beti bango ti ba botoni coffre de l'alliance. C'est quoi la solution biblique? Rentrons maintenant dans la solution. Dernier point, c'est ce que la solution biblique. Bible est lobine ni face à un tel cas. Deux Chroniques chapitre 7, le verset 14 au verset 15. Jérémie chapitre 1, le verset. Joël chapitre 1, le verset 13. Bien aimé, la Bible na umbangu. Omoni a balobaki nini? Balobi bo bisa Jérémie. Na nani na mukanda to tikotanga na Zacharie. Bo bisa Josué balongola bilamba salité. Papa, toko ganga ka Dieu vient délivrer le Congo, délivrer les Congolais. Akoyoka kabisote, il est tellement saint que à cause de votre saleté repoussante, il va vous rejeter devant sa présence. Il faut qu'il y ait des prédicateurs de paix. Il faut qu'il y ait des prédicateurs de repentance, des prédicateurs de la sanctification pour retourner la nation, mais en commençant par représenter des sacrificateurs devant l'Éternel. Batika kinumba, batika kosa basi abatu, batika kosa bakisi bana nandako, batika kosente bana basi na kati ya église, batika kosa bakisi na kati ya église ba mazia banyoka, batika kote angéologie, batika kosa la makambu ya voyage astral, batika biloko wana, zamba zo silika contre Congo. L'évangéliste Roger Bac, parenthèse de Souyamou, qui est pour toi, qui est déjà vers la fin. L'élo, tout le monde, tout le monde, Japon, il y a 90 ans, l'élo, il y a une croissance, c'est-à-dire, croissance, c'est ça, le niveau, il y a une croissance, Chine, il y a 90 ans, Chine, il y a l'élo, en tout cas, croissance, c'est ça, ma casse. Tout le monde, Dubaï, il y a un désert, tout le monde, le niveau va évoluer. Est-ce que Kouna Bazan a un prédicateur sain? Merci. Ou bien, c'est le fruit du travail. C'est une très belle question auquel je vais apporter une réponse. On assure, par exemple, Ninga Navandia, mission Zambalinga Salananga Bak, Yanga Salana Wingi Musique à Maison-Mère. Mission Zambalinga Salananga dans le monde entier par rapport à ma âme. Yanga Ninga Salapena Zaiko Langalang. Olobi Ganga Leki Maison-Mère Nambongo. Ngana Leki Langalanga Star Nambongo. Avoir la réussite ne signifie pas avoir marché avec Dieu, parce que Dieu ne nous prédestine pas pour le bonheur de la terre. Il nous prédestine pour la transformation, métanoïa, afin que ait dans la répercussion à éternité. Mukolakoya, tout matanai na likolo. Encore un exemple, on peut s'arrêter à homme riche na Lazare pauvre. Qu'est-ce qu'il y a en Inde, Japon, RDC? Tout le monde dit que c'est ça. Heureusement, un argument est dans la Bible. Donc, tout celui qui s'appelle japonais n'est pas appelé peuple de Dieu. Bible l'obéit à Israël. Même si les enfants d'Israël vont se multiplier comme les sables de la terre, l'Éternel connaît ce qui lui appartient. Yanzambe nzamba yebi bango, papa. Yangona Congo awa, tant il y a émergence, il y a une nouvelle élite ekoki. C'est bon, évangéliste. Puis ça, solution. Solution. Et puis, ça, surtout, ba coordonnées à l'Afrique du Sud, à France. Tous les autres, il y a une proposition à prière. Parce que ma terre, il y a un autre côté, il y a un autre côté. Deux Chroniques, chapitre 7, le verset 14 au verset 15. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, Dieu sait que nous invoquons son nom. Mais il demande une chose. C'est une nuance, il faut assimiler. Ah, il faut s'humilier. C'est la qui signe, bien aimé dans le Seigneur. Lorsque tu t'humilies devant quelqu'un, tu ne viens pas lui demander. Ce n'est pas toi qui lui montre le voie de réparation. L'humilité implique. Mais par qui l'Éternel passe toujours par Josué pour révéler à Jérusalem comment se rapprocher de lui. Mais comment? Mais c'est en se purifiant. Yango to sengi. Publier une journée sainte de l'Éternel.
convoquez les vieillards, les jeunes gens, les femmes et les enfants. Habillons-nous en vêtements de sac. Plairons devant l'Éternel et disons à l'Éternel, Nenge Balbakina Daniel chapitre 9, le verset 4, verset 9, à nous la confusion de face, mais à toi la gloire. Nous t'avons abandonné. Yango mena psaume 51, David a dit, tu es juste dans tes sentences. Seulement, tu veux que la vérité demeure à l'intérieur de moi. Purifie-moi par l'hysope et je serai pire. Merci Vanessa Rochebaka. Ça va nous coordonner. Il y a journée. Dans l'année, il y a deux jours, il y a prière awa pour revenir auprès de l'Éternel. Au fait, ma terre, sur la côté, il y a Tito comme le 14 avril 2017. Nous allons donner les premiers numéros en France. Batou nyon so oli kambo et simbi na motem. Rejoindre des numéros. Salle Eza Eza réservée. On te ressent à 200 Congolais. Exemple et à maquette, parce qu'on ne saura pas vous réunir, vous tous. Mais au moins, à disposition, il y a une prière de commande. Il y a une prière de commande. Il y a une prière. Je m'en vais vous dire, le 14 avril, dans la salle Zobima, lorsque vous êtes en train de regarder cette émission, dans l'adresse Zobima, tant que vous émission, nous nous retrouvons là-bas. 200 personnes. Mais au préalable, avant les 14, il faut bien qu'on déjà on se faire enregistrer pour la réservation parce que on aura besoin que de 200 personnes. Ne vous inquiétez pas, les autres pays s'organisent. Mais ce que nous voulons, ce qui est kokokate jourwana, toko sala jour mususu, jusqu'à ce que l'Éternel va rétablir Congo et les rendre glorieux devant les concerts des nations. Adresse, je vous le donne tout à l'heure avec le contact. Je peux savoir, le temps on a des annonces et puis tout ça, la prière à Souka. Mesdames, Messieurs, nous on est pratiquement arrivés à la fin de cette émission. Si vous avez aimé, dites merci à Sadiq Bakamana qui est derrière la caméra. Merci beaucoup, Nayo, mon jeune frère, pour l'efficacité dans le travail. Merci également à M. Raf Ngindou, qui est notre number one, pour la confiance. Merci également à vous tous qui nous suivez, à tous nos partenaires en tout cas, à notre collaborateur principal. Là, je vois mon ami et frère du côté de la ville de Tokyo au Japon, Raoul Machoupé, le responsable de la maison d'Imoda Fashion, Zan Alboumbaché sur Kambo numéro 80, entre Rouena, sur Maniema 80 plutôt, entre Rouena Kambo V. Merci beaucoup à toi, mon ami, le président Raoul Machoupé, pour la confiance et pour la collaboration. Mais c'est quand même tout beau en France, beau Poussana, Naba Cordonné et Francis Opé Sassikoyo, à mon frère Toshan Vumbi. Souvent, il y a Evangeliste Roger Baka. On a invité personnellement mon cousin, Toshan Vumbi, aux Avana en France. Il y a quelques jours, Evangeliste Roger Baka. On a celle-ci. Il y a une adresse, il y a une coordonnée. Et puis, ça, là, les bons délits, pour la Bukabouane. Nous avons un bureau qui fonctionne aussi en France. Dorénavant, nous aurons des bureaux qui vont fonctionner partout dans le monde afin de faire fonctionner le mystère des corps de Christ. Okay? Et donc, pour la France, le 14 avril, vous notez le 0033, code de la France, 63, 1, 0, 0, 28, 66. Directement, vous aurez la servante de l'Éternel, Nicole Boulanger. Elle va vous recevoir et si vous avez besoin de savoir le programme, comment ça va se faire, là nous allons rentrer sur notre WhatsApp parce que nous allons donner des directives et des prédications et des orientations pour ça. Donc, si vous ne l'obtenez pas, vous n'avez pas la sœur Nicole Boulanger, servante de l'Éternel, que je salue, vous aurez encore... Tout à fait. Ensuite, vous aurez aussi les numéros de Maman Bibiane Ricardo. Maman Bibiana Ricardo, elle aussi, a un numéro. En fait, elle est la secrétaire qui dirige tout ce que nous faisons en France. Son numéro, c'est toujours, pour vous qui êtes en France, hein, vous n'avez pas besoin de composer le 0033. Non, vous allez mettre directement le 06 46 56 75 83. Je répète, 06 46 56 75 83. La salle se trouve, parce que tout à l'heure, Bomonango va afficher en OP, mais ça s'appelle Espace Barmondière. 69 400
Ville-France sur Saône. Mm-hmm. Bah quoi, affichant tout à l'heure. En fait, tu réservais ça loin à Bonanine. Ton limite, tu fous ta bongo. Parce que tu es en France. Tu es en France. Au moins, on va faire la réservation à 200 personnes. Oh, Likambouya, il y a présentation à Congo devant Dieu concerné Bango. Oh, bah, Monique, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'esprit, dit l'Éternel et des armées, Zacharie 4 et 6. Bible lobby, les uns se fient dans leurs chars, les autres se fient dans leurs chevaux, mais nous, nous invoquons le nom de l'Éternel. Car le nom de l'Éternel est une puissance, est une forteresse, là où les justes viennent essayer, se réfugier. Merci, mon geste Rocheba. Et donc, pour tout contact, le 14 avril, vous appelez maman Nicole Boulanger, bureau Nabissoso fonctionné en France, tu as aussi réservé salle pour 200 personnes. Comment est-ce que ça? Vous les aurez par mon contact. Mais tout de suite, composez le 06-31-00-28-66. Le 06-31-00-28-66. Là, vous allez recevoir la servante de l'Éternel, maman Nicole Boulanger. Mais si vous ne l'obtenez pas, vous pouvez avoir aussi la secrétaire que vous devez certainement vous habituer parce que tous autres travaillent ensemble pour Moussala Oyo, pour le mystère des corps de Christ. Vous aurez maman Bibiana Ricardo, Yé Azana 06-46-56-75-83. Bien, mais comment est-ce dénomination T? Et église c'est le mystère du corps de Christ qui est en marche. Pour la bande de combats en Afrique du Sud, on a clôturé prière. Vous n'avez pas besoin de Baka, le moindre de tous, le plus petit de tous les serviteurs de Dieu. Non, nous n'avons besoin que de la vision de la restauration du Congo. Pour ceux qui sont en Afrique du Sud, vous appelez le 0027 61 88 31 959. Donc dans chaque pays, nous avons des gens déjà qui commencent à se disposer pour que tout le monde prépare le mystère du corps de Christ pour la restauration des valeurs spirituelles. 0027 61 88 31 959. Vous allez le voir au bas de l'écran, on va les afficher pour tout contact. Alors merci beaucoup pour tous ceux qui nous ont suivis. Nous allons prier pour nous tous. Père céleste, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te loue, je te glorifie. Merci Seigneur Jésus-Christ. Louange à toi Saint-Esprit, le communicateur indispensable de la grâce. Je confesse que nous tous qui avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous sommes des esprits ayant une âme, mais qui habitent dans un corps. Mais aujourd'hui, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je refuse que nous puissions exécuter ta volonté sur la terre selon les limites que nous impose la chair avec les habits de saleté repoussante devant la face de l'Éternel. 1 Thessaloniciens 5, 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Viens nous sanctifier toi-même. Car la sanctification pratique relève de la compétence du Saint-Esprit en collaboration avec notre esprit. Retire-nous comme les tisons retirés de fait. Regarde le Congo. Regarde les Congolais. Et tous les peuples qui ont le bénéfice de nous suivre. Lave-nous et purifie-nous. Et présente-nous devant ta passe. Pour que le Congo soit restauré. Que l'église soit restaurée. Moi, je crois ce que je dis. Saint-Esprit, communicateur indispensable de la grâce, préside à la destinée de ce travail. Touche de cœur. Suscite des serviteurs et des sacrificateurs. Afin qu'ensemble, les mains jointes, nous puissions présider à la restauration d'un avenir glorieux pour ton peuple. Sans t'abroger, toute accusation antérieure à la présente disposition que nous prenons. Moi, je crois ce que je dis. Je dis ce que je crois et je le vois s'accomplir dans nos vies. Cela est établi et nul ne peut le révoquer. Nous régnons maintenant avec Dieu ici-bas au nom de Jésus. Amen. Le numéro de contact
pour ceux qui veulent entrer sur WhatsApp, parce qu'il y aura des directives maintenant qui seront données. Pour ceux qui sont incapables de venir en France, ne croyez pas que tout le monde viendra là. Nous, nous allons prier ici au Congo le 15 avril dans une salle empreinte à Bandal avec 7000 qui n'ont pas fléchi devant Baal. Et nous demandons à tous ceux qui nous ont suivis de pouvoir prendre contact avec nous sur le 00243 98 82 0 0 04. Imo et WhatsApp sont dedans. C'est là où nous allons envoyer les directives et les exhortations jusqu'à ce que nous arrivions les 14. Merci, bon que Dieu vous bénisse. Merci, Manchester Roger Bouaka. Mesdames, messieurs, pour qu'on pratiquement en Souka, notre numéro est affiché, remarque, suggestion, ainsi que soutien à Bino, on en a besoin pour faire évoluer ce travail. Bino, tout besoin d'espace Schengen, on a la possibilité de faire pour ça. On a bien ici les sous, mon estimé grand frère, Anto Mokondi, Madame Nayo Dorian Feza, on a Bino Brian Boyawana, et on a la Bino bien, sanctification en tout cas, tout le monde en a besoin. Quoi. D'ici là, portez-vous bien, on se retrouve très prochainement dans un nouveau numéro avec un nouvel invité, mais surtout, je garde le même enthousiasme. Bye, à la prochaine. Au revoir. Au revoir. Bonjour à tous, vous êtes sur Congo Promo. Si vous aimez plus de vidéos, cliquez le bouton en bas. Abonnez-vous à Mas. Moi, Bérodès, je me suis déjà abonné. Il reste que...